compte critère est un matériel qui met en jeu la mémoire de travail car il sollicite le maintien de plusieurs informations en mémoire afin d'effectuer un travail ultérieur. Il sollicite également la mémoire visuelle, la discrimination ainsi que la flexibilité mentale et l'attention. Compte critère se compose d'une notice, d'un niveau 1 composé de 12 cartes couleurs, 12 cartes formes, d'un niveau 2 composé également de 12 cartes de 2 couleurs et de 12 cartes de 2 formes, d'un niveau 3 composé de 12 cartes de 4 couleurs et de 12 cartes de 4 formes, et enfin de 38 cartes critères. Ok, tu l'as dans ta tête. Tu retournes. Là, il y avait quoi? Et là. Ok. On y va. Alors, attention. Ça se complique. Ah oui. Garde sur tes doigts. De rond. Et pour la couleur. Donc, ça fait combien? Alors, tu m'as dit deux ronds. Alors, mets deux. Mets deux pour tes deux ronds. Oui. Et combien pour la couleur, tu m'as dit? Deux. Donc au total, ça fait? Super! Bravo! Pour travailler l'inhibition, il est possible de ne demander au patient que de compter uniquement les critères sélectionnés par l'orthophoniste une fois que tous les critères ont été mémorisés. Par exemple, ne compter que les carrés ou les lunes ou uniquement une couleur spécifique. Il est également possible de jouer en mélangeant les trois niveaux ou encore en ne présentant que les cartes couleurs par exemple. Autre variante possible pour travailler l'inhibition et le contrôle. Tu me donnes une autre couleur que celle qui est sur la carte. On y va ? Bleu. Rose. Vite possible. Blanc. Rose. Rouge. Noir. Bravo, super. On fait la même chose, mais avec les formes. D'accord. Tu me donnes une autre forme que celle qui est sur la carte. Mmh. Et puis je les cache parce que j'ai vu que tu utilisais ici pour t'aider. C'est bien ça? Donc je vais cacher les cartes, d'accord? C'est parti. Oui, bien dit. Bravo. Compte critère s'adresse à des patients de tous âges, enfants, adolescents, adultes présentant des troubles neurologiques, des pathologies neurodégénératives, des lésions cérébrales ou encore des troubles d'acquisition du langage écrit. Alors, bonne séance !